Et salut à tous les amis, c'est PFR Foot FR. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement de PES 2019, le mode 2020, pardon. Le mode vers une légende, ça commence bien, si on commence à se tromper déjà. Le lancement du mode vers une légende. J'espère que vous avez passé un bon été et on voit que je viens de créer mon joueur, j'ai démarré en Ligue 2 et là on démarre avec Chambly, voilà. Et on a reçu quelques messages, petite nouveauté, on n'avait pas de messages comme ça avant, si de temps en temps, mais c'était pas fait comme ça je crois, c'était pas fait de la même façon. Donc là on n'est pas sélectionné équipe de France, on peut choisir notre numéro et voilà, voilà. Alors, j'ai le numéro 18. Moi en soi, ouais, 18 c'est pas mal, je vais garder le 18. On va faire les entraînements, juste baisser la défense. Et on va apprendre les frappes de loin. Ça peut toujours servir. On va mettre un point, deux points. Allez, voilà. C'est parti. Et on va directement commencer. Pourquoi perdre du temps? On ne peut pas perdre du temps. On ne doit pas perdre du temps. On doit avancer le temps. Et on commence face à notre ancien club. Notre premier club de la saison dernière. Le FC Sochaux. On avait démarré le FC Sochaux. Et là, ben, c'est le premier club qu'on affronte. Et on est titulaire comme ailier droit. Et oui, j'ai choisi l'ailier droit. Voilà, comme souvent. Et Guezoui, la tour. Je vous avouerai que je connais pas ces joueurs. Je ne les connais pas. Le FC Chambly, moi, de toute façon, c'est la Ligue 2. La Ligue 2, je connais pas. Allez. C'est la reprise, le championnat est de retour pour notre plus grand plaisir. Eh ben, c'est parti. Je vais peut-être devoir changer la caméra, je sais pas. On verra ça. Tous les compteurs sont remis à zéro et tous les espoirs sont permis. À entendre les supporters qui animent les tribunes depuis plusieurs heures maintenant, les ambitions sont immenses. Espérons que les joueurs sont aussi prêts que leurs fans. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Allez, on démarre directement. Oubliez le classement de la saison dernière. Ces deux équipes démarrent sur un pied d'égalité. Et... ah mais non, on joue dans ce sens. Ok. J'avais peur que je me sois trompé de côté. Oui, parce que... pourquoi à droite? Parce qu'on peut faire ça. Et voilà. Parce que je suis gaucher. Après 4 minutes, on marque notre premier but. Ça, j'affectionne. Paf, on revient sur le pied gauche et on enroule. Ben là, ça semblait pas être trop enroulé, mais ça fait but quand même. Voilà. Et j'espère que vous avez passé un bel été. Qu'est-ce qu'il y avait cet été? Au mois de juin, il y avait la Coupe du Monde féminine, non? C'était cette année. Que la victoire des États-Unis. Il me semble que c'était cette année. Et en ce moment, eh bien, il y a la Coupe du Monde de basket. Avec, il n'y a pas si longtemps que ça, la victoire de la France en huitième, je crois. Non, en quart face aux États-Unis au basket. Eh oui. Et je crois que à l'heure où ce... quand cet épisode sortira, il y aura eu la demi-finale. Mais je peux pas vous dire le résultat puisque pour moi, ce n'est pas encore passé. C'est le vendredi, c'était le vendredi à 14h. Voilà.
Et là, on est lundi. Le gardien dégage. Donc, enfin, lundi, au moment où sort cette vidéo, ce sera lundi. Vous avez remarqué quand les latéraux montent, je crois. Eh oui, j'attaque en début de semaine. Une tactique précise, non ? À mon avis, c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre. Plus ils sont allez loin, moins ils peuvent causer des dégâts. Faut que je descende un peu, non ? Peut-être. Hop, voilà. Il se fait pardonner. Oh, la récupération de Torres. Attention. Oh, il va y aller. Oh oui. Oh. Aïe, aïe, dommage. Oui, je fais des petits bruits bizarres. Ça m'arrive. Ah bah dis donc, c'est moi qui tire les corners. Oh, il bute. Le but de Guizzo, il est toujours bien placé, la preuve. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense, c'est le bazar. Et 2-0. 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Sochaux cherche à déclencher du mouvement. Allez. Il récupère oui. Le ballon. C'était un bon pressing. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. Le ballon dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Attention au centre. Oh! Allez, frappe! Oh non! Ah, c'est dommage! Ah, je voulais qu'il sente sur moi, je voulais pas que celui d'après il me refasse une tête comme il a fait. Et ce ballon sur l'aile. Allez, oui! Allez, vas-y! Allez, Torres! Il est pas très endurant pour l'instant, le centre! Oh non! Bon. C'était un bon centre quand même. Et 2-0 à la mi-temps. Avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Deux buts d'avance, il mène pour l'instant 2-0. On parle, mais le jeu a déjà repris. Il allonge vers l'avant. Allez. La passe en retrait vers son défenseur. Il allonge le jeu. Et la récupération de Chambly. Il cherche son coéquipier. Il allonge, pourquoi pas. Chambly mène toujours 2-0. C'est encourageant pour une première sortie. C'est joué dans la profondeur. Attention, Priva. À côté. Démontre toute l'efficacité de ses ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. C'est joué long. Attention. Ah oui. Ah oui. Ça peut être dangereux. Et le troisième but. Jamais facile les face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. Oula, il faut beaucoup de sang-froid dans ces situations, c'est bien joué. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage.
3-0 pour ce premier match, le doublé pour Torres. S'il le trouve, bonne intervention. Faute, oui, faute. Ah, petite faute, oui. Dans la profondeur. Il peut frapper. Oh, y'a, y'a, le triplé. Le triplé pour ce premier match. Et Torres Charo. Et Torres Charo. Le triplé pour ce premier match. C'est magnifique. Hat-trick. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué sur chacun de ses ballons. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Ce match est en train de tourner à la démonstration. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Et la touche. Une très longue passe. Il allonge, pourquoi pas. Ouais, je pense qu'on a gagné. Hein? Vous en pensez quoi? C'est joué long, c'est dangereux. Oui, bien. Ce ballon sur le côté. Il ne résiste pas au contact. En retrait pour repartir proprement. Une longue passe. Voici Priva. Dans la profondeur. Ça, c'est directement pour le gardien. Et l'arbitre siffle la fin du match. Voilà, le message est passé. Et la victoire 4-0. Il semble fort en ce début de saison. En tout cas, il débute par une belle victoire. Alors, dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Ça fait du bien. Et est-ce que je suis... Pas de passe décisive sur le corner, je voulais savoir. Mais non. Bon, et bien c'est bien. 4-0, premier match, 3 buts. Et bien ça commence bien, cette série. Un match, 3 buts. Bon, on va voir si ça va continuer ainsi. Mais si ça, c'est, si ça reste comme ça, ben, il faudra augmenter le niveau de difficulté. Parce que je le laisse en classique, vous savez... au niveau de difficulté classique pour parce qu'on est dans un club moins bon, notre joueur n'est pas très bon, donc je baisse le niveau de difficulté. Et je crois qu'on va jouer face à Nancy en Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue BKT. Et on est titulaire comme ailier droit. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour notre premier rendez-vous de la saison en Coupe de la Ligue. Vous le savez, cette compétition est réservée aux clubs professionnels. Mais c'est évidemment le chemin le plus court vers un trophée, mais également vers une place européenne. Le chemin est court, mais il est semé d'embûches. Car oui, le palmarès de cette compétition a beau être trusté par un club. Cette Coupe de la Ligue nous offre parfois des surprises, on le sait. Bref, espérons que le jeu soit à la hauteur des ambitions des deux équipes. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Et alors, hors jeu. Ouvre les compositions. On a hâte que cette compétition débute. Grégoire, je pense qu'on est tous impatients que ça commence. Vous parlez de l'importance de ce trophée. Il est certain que ce qu'on retient d'un joueur, c'est surtout son palmarès. Oh, attention. Il ne faut pas oublier qu'une coupe, c'est toujours un moment spécial pour un club.
c'est que certaines équipes peuvent y retrouver un nouveau souffle, que d'autres pour faire tourner leur effectif. Donc c'est une compétition importante à plus d'un titre. Et le match est donc lancé. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Allez, attention, Torres. Ah, c'est dommage, c'était un contre. Ou Torres qui est passé. Le centre, en retrait. Non. Il décide d'allonger le jeu. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça peut être extrêmement dangereux. Il est à distance de tir, la frappe. Oh, et le but. Oh, que c'est bien joué. Et 1-0 pour Chambly. Il leur a suffi de quelques secondes pour mener ce contre à son terme. Les voilà donc devant, c'est un but qui vaut cher. Ils n'ont pas tremblé pour cette grande première, ils ont repris leurs bonnes vieilles habitudes. Nancy qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute entre les deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre dans le camp. Plutôt malin. Pour repartir proprement. Il frappe loin devant. Et non, hors jeu. Il tente de la jouer. Attention. Les Nancéens, oui, bien dégagé. Voilà une bonne occasion de contre. Un ballon intéressant. Oh oui, beau ballon. Ah, dommage. Un peu trop long. Il a stoppé l'attaque adverse. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ils s'en sortent. Il relance côté droit. Ah non, dommage. Ce contre peut très bien aller au bout. Nancy qui essaye de construire. La longue passe. La passe est précise. Bien défendu, c'était chaud. Et 1-0 à la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Le score de 15-0, il tire. Oh non, sur le gardien. Il ne se pose pas de questions. Ah, la tête au-dessus. C'est dommage, il s'était bien placé pour reprendre ce centre. Ça méritait mieux. Nancy qui peut avancer. Allez. Attention, la frappe contrée. Un long ballon vers l'avant. Oh, le contre, l'arme fatale. C'est joué dans la profondeur. Et le one-man show continue. Le jeu repart vers la droite. Il file dans l'axe. Il y a... Attention ! Et le but ! 2-0 ! Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant deux buts d'avance. Il a bien exploité l'espace devant le but. Et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But ! Et le doublé.
Français reparti sur ce score de 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça peut partir en contre. Ça joue long. Oh, attention! Ah! J'avais frappé. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Bien, la profondeur. Ça ne passe pas. Oui, touche. Et la touche en faveur de Chambly. Bon service dans la profondeur. Une petite faute là. Ouais, petite, légère. C'est joué long par-dessus les défenseurs. Il a mal dosé son geste. Allez, le dégagement du gardien. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. La passe dans la profondeur. Bien servi. Il tire. Oh, la barre. Et la touche en faveur de Chambly. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Oh, la frappe. Oh, il est à côté. On a failli voir un but magnifique. La défense a... Ah, ça aurait été beau, regardez. Boum, boum, boum. Dommage. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Allez, la touche en faveur de Nancy. Ça, c'est une interception parfaite. Ça joue long vers l'avant. Dans la profondeur. Et la réduction du score, 2-1. Ouais, je pense que si. Je pense que c'est terminé. Il reste 5 secondes. Et voilà la victoire de Chambly. Jusqu'au bout finalement, et logiquement les meilleurs l'ont emporté. Alors, que retenir de cette rencontre? Bon, ça s'est joué sur le fil, hein, ils ont gagné avec la plus petite des marges. Et 2 buts pour Torres. Et on jouera le prochain match face à Nice. 2 matchs, 5 buts. Et le prochain match, on sera titulaire. Eh bien, les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde.